Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout ça sur GTA. Et voilà, j'ai acheté le petit nouveau vélo. Voilà, on va le tester, etc. Et à la fin, on mettra une note sur 10. Déjà, on peut sauter avec et tout. Il y a le petit compteur juste là. En vrai, ça va, ça va. Après, Stera, j'ai pas du tout. Ah oui, ah, c'est galère de ouf là, non? C'est vraiment galère parce que comparé de base, le PMB, bah, il est pas comme ça. Mais... modifié ou pas, non, c'est un vélo, on peut le modifier, ouais, voilà, ça c'est dommage que vous pouvez modifier, on pourrait genre faire un vélo qu'on peut vraiment l'améliorer nous-mêmes, ça serait pas mal. Et bon, c'est comme ça, hop, on peut pas, il est là. Du coup voilà, du coup passe, etc. Ah, je trouve que c'est pas quand même dégueu, hein. Et voilà quoi, c'est... La prochaine fois, je ferai une vidéo avec un de mes potes pour comparer, etc. Mais après, il a l'air déjà, comme vous le voir, il a l'air plus rapide et tout. Je pense qu'il a moyen qui est plus rapide. Mais du coup, comme en fait, genre, il est plus rapide parce que c'est un vélo électronique. Mais peut-être, peut-être en ligne droite, il est pas. Dans les virages, pas si rapide que ça. Je sais pas. Petit test, ça serait pas mal. Non, j'arrive pas. J'arrive pas du tout à lever avec. Ça fait longtemps après que j'ai pas levé sur le GTA ou quoi. Et je crois que j'ai plus le bon truc. Je crois que c'est plus le. Ouais, je vais peut-être que je dois attendre qu'il se pose et on. Ouais, du coup, on peut voir, on peut faire des petits sauts avec, voilà. C'est pas non plus extra, mais on peut faire des petits sauts. On peut faire un petit saut. Après, mode. C'est pas en vrai mode visionnage et tout, il n'est pas si dégueu que ça. Après, la vidéo de couleur et tout, moi je choisis. Comme ça, je crois que c'est pas mal. Voilà. En vrai, c'est, il est vraiment pas dégueu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, etc. Mais je trouve que c'est pas dégueu. Ouais, je vais pas vous mentir. Du coup, la petite note que je mets à ce vélo, ben, je vais vous dire ce que je trouve en positif. En positif, ben. C'est pas mal, ils ont mis un autre vélo, c'est pas mal parce que nous petit vélo, ça faisait longtemps qu'on attendait, etc. Du coup, c'est pas mal. En vrai, voilà, c'est après ça, c'est stylé. Après on peut trouver quoi comme notre positif. Je sais pas, ouais, perso, c'est juste, voilà, il est. C'est pas mal qu'ils ont mis ce nouveau vélo et tout, c'est pas mal. Un négatif, que je trouve négatif, c'est dommage qu'on peut pas les améliorer. Ça serait pas mal que genre on peut améliorer notre vélo ou quoi, ça serait vraiment pas mal. Après voilà, après ça j'aurais. Après. Et après je pense que c'est pas... déjà c'est bien, genre c'est bien qu'on peut sauter avec et tout parce que ça, un vélo qu'on peut sauter, c'est trop bien. Ouais,
Ouais, voilà, c'est ça. Et après, je sais pas, mais ouais, c'est pas mal de journée. Du coup, on va mettre la note de... Ouais, on va mettre la note de... Allez, on va mettre 8. Voilà, la petite note de 8. Parce qu'on peut pas mettre 10 non plus, c'est pas vraiment parfait, quoi. Voilà, on peut pas mettre non plus 10. Mais voilà, même petit 8. Même petit 8, c'est pas mal. Voilà. Il faut pouvoir maintenant faire des courses et tout avec. Je dois faire des courses avec et tout. Je vois qu'est-ce que ça donne et tout. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur... et à commenter et me dire ce que vous aimeriez avoir dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!